just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Yo les mecs, c'est Petit Bandit. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo voiture. Alors je sais pas si on va bien, si on va bien voir, si vous allez bien voir, machin. Je sais pas du tout, j'utilise le bandeau de tête là. Bandeau de tête GoPro. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je l'utilise ce truc. Mais bon, j'ai vu ça chez Lord Puma. J'ai compris qu'il utilisait ça pour ses vidéos en bagnole. Alors du coup j'utilise ça aussi. C'est que ça doit pas trop mal le faire. Bon, on se retrouve pour donc une vidéo en bagnole pour que je vous explique quelques trucs. Donc il y a la vidéo qui est sortie sur la balade pour deux rayons de soleil qui a eu des assez bons retours. Je suis content. Elle a eu des assez bons retours. C'était une bonne balade. Bon bah malheureusement Kevin s'est blessé. Bon depuis, vous voyez, moi je tourne ça. On est sur la voiture là. On est le 26 novembre. Donc ça fait déjà un petit moment, hein, la vidéo, j'ai mis du temps à la monter et à la sortir, j'ai beaucoup coupé. Ce que m'a dit Trouduc, il m'a dit ouais bah yon, 20 minutes c'est long, et je suis sur Twitter et je lui ai dit mec, je lui ai envoyé un screen de mon écran de PC où j'avais découpé et la vidéo, enfin le week-end, il y en avait pour 1h20 de vidéo et 8 Go. Donc j'ai condensé 1h20 en 20 minutes. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, on va dire. Enfin voilà, bref, c'est pas là le débat. Je fais cette petite vidéo. J'aime bien faire les vidéos en bagnole avec vous parce que je peux discuter comme ça. Moi je suis au chaud, hein, parce que 26 novembre à 6h-20, bah, il fait quasiment nuit déjà. Et discuter avec vous pour voilà, l'avancée de la chaîne tout doucement. Pour vous dire que justement, après cette vidéo, il n'y aura pas de vidéo avant un petit moment pour deux raisons. La première, j'ai toujours pas fait changer mon putain de pneu de moto. Ça, j'ai toujours pas fait. Et je pense que là, donc, dans un mois c'est Noël, là mon argent je vais le consacrer à faire des cadeaux à ma famille. Je vais gâter ma famille avant de me gâter moi, ce qui est normal. On va profiter de cette fin d'année pour gâter la famille, et si on passe la 5 c'est mieux. Et donc là le pneu de la moto, je pense que suivant comment ça se passe, je ferai ça au mois de janvier. J'ai demandé un peu sur Twitter des avis aux Twitos sur les pneus. Hop, le petit radar à 70, n'est-ce pas. J'ai demandé au Twitos et il y a... mince, ah, je suis désolé, j'ai oublié ton nom. J'ai envie de t'appeler papy, mais ça se fait pas, mais voilà. Qui m'a conseillé un bon pneu. Alors je pense que je vais partir là-dessus. Alors là, petit aparté. Là, voilà, je sais pas si vous avez pu voir, c'est un motard qui s'est tué là il y a pas longtemps. Il a fait un tout droit en pleine nuit. Enfin bref, voilà. Et donc papy m'a conseillé un pneu. Donc faut que j'appelle le magasin de pneus qui est par chez moi, enfin le magasin de moto, et que je vois pour que soit il le commande, soit s'il a amené la moto. Et j'en profiterai du coup pour mince, pour essayer de lui choper une moto à essayer en A2 et se faire une petite vidéo test de moto. Ça peut être sympa. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Et ça peut être sympa, je pense. Qui nous prête, c'est joli le paysage là, qui nous prête une moto. Donc à voir. Alors est-ce que ça tourne toujours? Oui, ça tourne toujours. Je sais même pas ce que ça filme. Moi je pense là j'ai réglé pour que ça filme à peu près la route. Enfin bref, donc il y avait ça. Donc je vais pas faire de vidéo avant un petit moment, parce que, enfin au moins avant janvier, parce que donc faut que je change mon pneu de moto. Et ensuite, deuxième raison pour laquelle je vais pas faire de vidéo avant un petit moment, c'est à dire que là j'ai des choses dans ma vie perso qui changent un petit peu. Je suis en train de préparer des choses personnellement et professionnellement qui font que je peux pas rouler comme je voudrais. Et j'essaye déjà de maintenir un peu le rythme sur la chaîne gaming, mais bon, on essaye quoi. Donc on va voir comment ça se passe tout ça. Et mais bon, là voilà, dans les semaines à venir, donc à partir d'aujourd'hui 26 novembre, ça sera, il y aura moins de vidéos, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais parce que les montages ça prend du temps aussi. Mais là c'est sûr, il y aura moins de vidéos. Il y aura moins de vidéos, je disais. Donc n'oubliez pas, donc malgré tout, restez connectés, restez abonnés, suivez le Twitter. Là-dessus, je communique beaucoup, que ce soit pour la chaîne gaming ou pour cette chaîne de moto. Je communique beaucoup sur Twitter pour dire, genre je mets des screens quand je suis en plein montage, quand je cherche des idées, quand voilà. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter pour ceux qui ne l'ont pas fait.
et donner des avis, commenter, liker, tout ça, partager, abonnez-vous, enfin tout ça, voilà. Donc écoutez, voilà, c'est une vidéo très courte, je sais pas pour combien de temps j'en ai, une petite dizaine de minutes je pense, en voiture, dans la nouvelle voiture. Je pense que ça vous l'aurez remarqué, la dernière fois qu'on s'est vu en voiture, c'était pas cette bagnole là, c'était pas ce volant là. On reste chez Peugeot, hein, n'est-ce pas? Parce que j'aime bien Peugeot. Et surtout que c'était dans mon budget pour changer de bagnole. Donc voilà, on est passé sur une 206+. Ça change de la 106 pourrie de 98. Là, on est sur une 206+, une 206+ de 2010, je crois. Donc voilà, un petit 1,4 litre, 75 chevaux essence. Rien de fou, mais moi, c'est ce qui me convient largement pour l'utilisation que j'ai d'une voiture. En plus, j'ai un attache-remorque. Donc ça, quand j'ai un plateau moto pour déplacer la moto, c'est top. C'est tip top top. Et donc c'est super pratique. Et voilà, donc, une bonne petite bagnole. Je l'ai acheté mi-août, elle avait 42 000 et quelques kilomètres. On est fin novembre, je suis à 48 000. Je lui ai mis 6 000 bornes en août, septembre, octobre, novembre. En 4 mois et demi, je lui ai mis 6 000 bornes. Voilà. Donc moi, je l'utilise, ma voiture, mais bon, peut-être l'économiser. Et là, au moment où je tourne ça, je suis sur la route pour aller à Poitiers. Je pars d'Anceny, je vais à Poitiers. Voilà, donc je dois l'économiser un peu parce que ça se préserve. Mais ça roule quand même. Enfin bref. Sur ce les mecs, ride safe, surtout avec l'hiver qui est arrivé maintenant définitivement. Hein. Là il est 6h moins le quart, il fait quasiment nuit. Ride safe, équipez-vous, que ce soit pour la chute, mais aussi maintenant du coup avec l'hiver pour le froid. Parce que rouler avec les doigts gelés et les doigts qu'on ne sent plus, rouler avec les jambes froides, les pieds froids, c'est pas à faire parce que bah, vous n'aurez pas une pleine maîtrise de votre moto, donc, tout simplement. C'est pas du tout à faire. Donc équipez-vous, protégez-vous, sortez couvert, n'est-ce pas? Et faites attention sur la route, hein, avec l'hiver, la flotte, le froid, les feuilles sur les routes, les plaques de glace qui vont arriver avec le mois de décembre, janvier, le verglas, tout ça. Donc faites attention sur la route, ride safe, abonnez-vous, partagez, likez, tout ça. Et je vous dis à la prochaine, les mecs. Ciao!